Alors, on les appelait quoi, comment à l'époque? Ce sont les villageois, et puis la boulangère, Aline. Alors, c'est Claude qui est au tournoi aujourd'hui pour le pain, exclusivement le pain. Et je crois que demain, il y aura de la brioche. Et de la brioche aussi ce soir. Et puis, quelques jours. Il est parti. Il est perdu, le Seigneur. Il est perdu, le roi. Plus exactement. Et moi, j'aimerais bien qu'on fasse tirer le roi. Alors, un tir à l'arc proposé par. Là aussi, Jean-Claude, je crois que c'est la compagnie qui va terminer de ce week-end. Entre Stein et Arcos, c'est un week-end proposé par l'association de style de notre histoire et patrimoine du canton de Saint-Hermine. Et c'est une fois par an. Voilà. Ensuite, on a les sympathiques. Alors, la vineuse, c'est pas la vineuse à côté de Saint-Hermine, mais c'est un jumelage. Il est là. Allez, bon Dieu. Alors, on retrouve Patrick. Allez, pense à fissonner. Allez, famille. Oh, on le pense à fissonner. Oh, mon Seigneur, c'est du pont. Charlie, ah non, c'est pas toi qui jongle. Bon, mais là, elle jongle bien, la dame, hein. Ou la demoiselle. Ah, si, pardon. C'est bien, Charlie, continue. Alors, on va se donner maintenant un rendez-vous du côté du village, puisque dans 5 minutes, on va danser, mais dans le village. Donc, Julie et ses camarades de danse vont aller s'installer. Donc, ce repas, c'est sur les réservations. Vous avez vu les rôtisseurs tout à l'heure. Je prends ton programme, je crois que c'est du gigot gagnant. Donc avec ce petit bouton aussi. Donc il est important de réserver au stand d'accueil avec la possibilité de passe. Parce que vous avez aussi un théâtre, stop. Donc c'est pas grave. Ça s'appelle le mot de la fin. C'est une comédie humoristique écrite par Laurent Poutier avec une mise en scène de Cyril Allemand, notre président. Donc ça, c'est ce que vous pouvez découvrir. Voilà, Sir. Des questions, Sir? Eh bien, écoutez, je vous remercie de présenter tout ça. C'était vraiment un grand plaisir. Chevalier, noble, bourgeois et autres personnes, êtes conviés à vous rendre place du chapelle pour vous dire ce que l'on veut à dire de part notre Seigneur. Que l'on mise